lundi 3 octobre, il est temps de prendre votre petite dose d'informations 100% Vendée en cette matinée. Je suis ravie de vous retrouver pour passer donc une demi-heure ensemble 100% informations locales. De quoi parlons-nous ce matin? Eh bien, nous allons avoir des images du Tour de Vendée. Vous étiez peut-être sur le bord de la route hier entre La Roche-sur-Yon et Marueil-sur-l'Adissais. Au final, sur la ligne d'arrivée, c'est Brian Coquart qui s'est imposé, mais la Coupe de France revient à un des membres du team Total Energy, à savoir Julien Simon. Nous allons parler aussi de Caval Océane. C'était également ce week-end, plutôt du côté de Saint-Jean-de-Mont, avec 25 000 spectateurs sur la plage qui sont venus applaudir les cavaliers. Et puis dans un quart d'heure, rendez-vous avec Alexandre Lenaour pour son journal des sports. Alexandre qui nous fait le plaisir de faire un petit détour par le plateau de cette matinale avant de partir toute la semaine au Vent d'Espace pour couvrir l'Open de tennis de Vendée. Et oui, pour TV Vendée. D'où le décor sur le plateau, voilà, vous avez compris. Avant tout cela, on va regarder la météo. Alors, comment se passe ce lundi matin? Eh bien, c'est une journée qui va être en deux temps, allons dire. Globalement grise plutôt ce matin, en tout cas de nombreux passages nuageux. Attention aux brumes et brouillards qui étaient annoncés pour cette première partie de journée. Le ciel sera sans doute un petit peu plus dégagé cet après-midi. Là encore, toujours des nuages, vous le voyez, mais une fin de journée qui est annoncée, tenez-vous bien, comme ensoleillée. Et oui, messieurs, dames, côté température, nous devrions encore passer la barre des 20 degrés pour toute la moitié est, en tout cas, du département. Les marées de ce jour, nous avons trois rendez-vous marées pour ce lundi. Un coefficient qui reste faible, 44, coefficient qui va d'ailleurs continuer à baisser jusqu'à demain. La marée est haute en fin de matinée et la prochaine marée basse, logiquement, eh bien, vous le voyez, ce sera 17h. Passons à la carte des marchés. Avec les rendez-vous du lundi, il y en a toujours peu hein, le lundi. On attend d'ailleurs que de nouveaux marchés se lancent dans le reste du département pour ce début de semaine, histoire d'équilibrer un peu les rendez-vous. C'est l'occasion aussi de vous rappeler que la participation au marché de Noël se joue maintenant. Alors vous allez me dire, oh là là, elle commence à parler Noël. Et oui, mais si vous êtes exposant, sachez que beaucoup de comités des fêtes et de municipalités passent en ce moment des messages justement pour recruter les personnes qui veulent exposer. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup de fil pour savoir si c'est le cas près de chez vous. Côté soleil, eh bien, il se couchera ce soir à 19h41. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Gérard aujourd'hui, mais également une bonne fête aux Candice, aux Vivien ou encore aux Blanches. Nous avons fait le tour des informations pratiques. On passe au journal. Avec donc hier la 50e boucle du Tour de Vendée, une édition anniversaire de 206 km qui s'était lancée du Vent d'Espace pour sillonner ensuite les routes du département entre La Roche-sur-Yon et Moutier-les-Mauffets. Un peu plus de 100 coureurs répartis en 16 équipes et au final, vous le voyez, vous ne l'avez peut-être pas reconnu avec son casque, mais c'est Brian Coquart chez Cofidis qui s'est imposé sur le fil juste avant un autre Français, Arnaud Démare, et avec qui tout s'est joué d'ailleurs dans les derniers mètres. Écoute. C'est une arrivée qui me convenait vraiment, vraiment très bien. Et du coup, voilà, je suis très content. Voilà. L'équipe a fait un super boulot, ils ont bien travaillé. Ensuite, dans le final, je savais qu'il fallait que je sois dans la roue d'Arnaud pour avoir le plus de chances possible. Et sur une arrivée comme ça, quand j'ai vu qu'il temporisait un petit peu, il hésitait avant de lancer à 250 mètres, je me suis dit qu'il fallait y aller. Et que sur une arrivée comme ça, je pouvais faire un mano à mano avec lui. Et ça l'a fait, donc c'est une très, très bonne journée. J'avais à cœur de montrer que les jambes étaient bonnes, que la forme était aussi très bonne et voilà. Et ce Tour de Vendée était également la dernière manche de la Coupe de France. C'est le Total Energy Julien Simon qui la remporte. C'est la deuxième fois de sa carrière que le Rennais décroche le titre. Sur les bords de route, vous étiez nombreux à suivre le passage des coureurs, malgré la pluie. D'ailleurs, comme ici, vous allez le voir sur ces images tournées sur les tout premiers kilomètres du parcours. C'était à Mouilleron-le-Captif. Pour beaucoup, c'est le passage des coureurs, mais aussi de la caravane qui a motivé la sortie. Un cortège de 80 véhicules qui en font d'ailleurs la deuxième caravane publicitaire la plus conséquente, juste derrière celle du Tour de France, avec l'ambiance qui va avec. Tout à fait, ici on a à peu près 5000 habitants et on se connaît à peu près tous les uns et les autres. Donc si on peut se retrouver dans ces moments festifs, c'est important de venir, bien sûr. Il y a toutes les entreprises qui montrent leur savoir-faire, c'est bien. Ça n'a pas manqué, c'est un petit événement, mais ça n'a pas manqué. Des lunettes, des verres, des post-it, des gommes, des règles, des pancakes.
Oui, des pancakes, oui. Un pancake. Et ouais, voilà, des bonbons et tout ça. Non, très généreux, c'est bien. Là, sur le Tour de Vendée, à chaque fois, on est gâté, quoi. Vraiment, vraiment. Ouais, ça fait plaisir. Puis c'est un moment marrant. On s'est bien amusé. Et ça nous a fait plaisir aussi, puisque c'est l'occasion évidemment pour TV Vendée de saluer tous les téléspectateurs que nous avons croisés hier le long du parcours. Dans le reste de l'actualité, ce malgré la météo du week-end un petit peu morose, eh bien nous allons revenir sur les conséquences de la sécheresse de ces derniers mois. Au-delà de la nature, elle a des conséquences pour tous les professionnels en lien avec la faune et la flore, ce qui est le cas des apiculteurs. Pour certains, la récolte s'annonce catastrophique, tandis que d'autres vont s'en sortir, notamment grâce au miel de printemps. Alix Solanos. C'est la toute dernière récolte de l'année, celle du miel d'été. Un miel teinté des couleurs de la sécheresse qui n'a pas épargné la Vendée. Pourtant, pour cet apiculteur, avec une vingtaine de kilos en moyenne par ruche, l'année n'est pas si mauvaise. C'est une saison qui va rester, on va dire, dans la normalité. Le moins sur l'exploitation, c'est dans le bocage vendéen au mois de juin, où la miellette toute fleur de châtaignier a été très peu productive due à la chaleur. Les châtaigniers, entre autres, sont très sensibles à la chaleur, alors que sur la miellette d'été, on a eu de très bons résultats. De très bons résultats qui ont tout de même nécessité quelques adaptations. La transhumance de certaines de ces 1800 ruches afin d'éviter les zones les plus touchées par la sécheresse et un apport en eau, indispensable pour les abeilles. D'habitude, il y a toujours un petit peu de rosée le matin. On a le littoral qui nous apporte cet embrun. Et là, cette année, c'était très faible. Donc, on a dû alimenter en eau tous nos ruchers. Et Samuel Baudet n'est pas le seul. La trentaine d'apiculteurs professionnels du département a vécu sensiblement le même été, même s'il peut y avoir des disparités. Donc, au sein d'une même région, on peut avoir des zones qui ont fonctionné et des zones qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est vraiment en patchwork, en damier. Globalement, on est sur une année à peine supérieure à une année moyenne. Donc on va être un petit peu limite au niveau de la production de miel, avec des charges de production aussi plus élevées proportionnellement, plus le coût de la vie qui augmente. Il y aura du miel français dans les rayons, mais il sera peut-être un petit peu plus cher. D'autant que les apiculteurs ont dû faire face cet été à un problème de taille, le frelon. Asiatique ou européen, cet ennemi juré des abeilles a passé l'été affamé par le manque de ressources en insectes, décimés eux aussi par la sécheresse. Donc là, effectivement, il y a une pression énorme, une pression qui met en danger les colonies, parce qu'elles sont tellement stressées qu'elles ne travaillent plus, elles sont en position de défense, et la reine arrête sa ponte et les populations diminuent, et ça peut être très dangereux jusqu'à la mortalité de la colonie, et plus les abeilles qui sont prélevées. Et si le dérèglement climatique inquiète particulièrement les apiculteurs, l'arrivée sur le marché de miels étrangers à bas prix menace également toute la filière. Face à ce constat, le message du syndicat national d'apiculture est très clair. Pour préserver les populations d'abeilles, il faut consommer du miel local ou tout du moins français. Des liquidations judiciaires et donc des fermetures d'entreprises sont prononcées chaque jour. Mais certaines ont plus de retentissement que d'autres. Samedi, c'était le dernier jour d'existence de la marque de prêt-à-porter Camailleux, une enseigne française qui est née en 1984. 650 points de vente en France, dont 5 en Vendée, qui ont donc baissé définitivement le rideau samedi. Image ici de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où la foule était au rendez-vous pour le dernier jour. Il y avait beaucoup de choix, c'était sympathique. En plus, on était toujours bien accueillis par le personnel. Donc c'est toujours triste de voir un magasin qui ferme. On aurait bien voulu avoir certaines explications pour savoir pourquoi. Et voilà, je pense qu'on est obligé de subir comme beaucoup de choses. C'est bien triste parce que c'était une marque qu'on connaissait depuis bien bien longtemps et voilà, qu'on avait l'habitude d'aller. C'est bien triste. Bah c'est plutôt par rapport aux salariés, parce que ça veut dire que tous les salariés du groupe vont être sans emploi. Donc c'est surtout à eux que je pense aujourd'hui. Et justement, concernant les salariés, pour le dernier jour d'ouverture de la boutique, l'entreprise avait décidé de passer tous les articles à moitié prix et de reverser le produit des ventes pour accompagner les projets de formation et de reconversion des salariés, et ce dans le cadre du plan social. Nous avons commencé ce journal en parlant du Tour de Vendée, mais il n'y avait pas que du cyclisme dans l'actu sport ce week-end. Il y avait notamment aussi du rink hockey, premier tour de l'Euroleague. C'était à La Roche-sur-Yon, 4 équipes disputant chacune 3 matchs. La Vendéenne, les Espagnols de Lleida, les Italiens de Grosseto et les Anglais de Kings Lynn. Si les joueurs de La Roche-sur-Yon se sont inclinés lors du premier match, ils ont en revanche raflé la victoire sur les deux autres, ce qui leur permet de se qualifier pour le prochain tour de l'Euroleague.
C'est un beau week-end pour le club, c'est certain. Je pense que tous les jours, on a eu des matchs de très haut niveau. Nous, on est forcément très contents parce que l'issue du dernier match, on est qualifiés. Mais on est surtout contents des matchs qu'on a faits et comment on les a joués. Je veux dire, on est allé les chercher, on a mis une intensité très, très, très élevée par rapport au troisième jour du week-end. On a eu quand même beaucoup de coups francs directs et pénaux qu'on n'a pas manqué pendant tout le week-end, qui auraient pu nous aider énormément. Et je pense que dans le match, on mérite vraiment cette victoire et puis c'est bien pour nous. Un autre rendez-vous incontournable chaque année, cette fois-ci pour les amateurs d'équitation, c'était Caval-Océane. Le festival équestre était de retour ce week-end sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Plus de 20 000 personnes ont assisté aux démonstrations organisées par la ville. Agathe Poulet. La plage de Saint-Jean-de-Mont s'est transformée en une immense carrière de 8 km de long, le temps d'un week-end pour accueillir la Caval-Océane. L'occasion pour le public de se plonger dans le monde du cheval et de découvrir certaines disciplines. Le cadre est magnifique, c'est superbe de les voir sauter, évoluer. Là, avec les spectacles, dans un cadre comme ça, ça vaut le détour. Alors le polo, parce qu'il n'y en avait pas les autres années. Et puis le horseball, on a assisté, là, on aime beaucoup ça. Ouais. C'est des nouvelles disciplines qu'on n'avait jamais vues. Mais ce que j'aime, c'est que ça me rappelle mon enfance, parce que quand j'étais enfant, mon grand-père avait un cheval. Et c'est moi qui m'en occupais. Alors ça me rappelle tous ces bons moments. Près de 500 cavaliers se sont donné rendez-vous pour ce grand événement attendu de tous. Entre horseball, saut d'obstacle ou encore poney miniature, le polo encore peu pratiqué en France est mis à l'honneur cette année pour la 21e édition. Pour ce joueur, cet événement est l'opportunité de faire connaître ce sport et de l'exercer dans un cadre exceptionnel. De montrer du polo dans une manifestation comme ça, c'est vraiment un plus. Et puis après, pour nous cavaliers, jouer sur la plage, c'est vraiment un truc très très sympa. Les plages se prêtent particulièrement au polo. Marée basse, c'est le sable est royal pour jouer au polo, quoi. Donc c'est un super terrain. J'ai pas eu besoin de beaucoup motiver mes cavaliers pour les faire venir ici. Pour les organisateurs, l'objectif est de rendre accessible la pratique équestre au plus grand nombre à travers des animations gratuites. La Caval-Océane porte également bien son nom, puisqu'elle doit s'adapter à la marée. Nous, on ne choisit rien, on dépend des marées. Dès que la mer se retire d'un mètre, de deux mètres, trois mètres, et ben on installe au fur et à mesure des barrières, des piquets, de la corde. Et puis, le but, c'est d'installer le plus vite possible pour que les cavaliers et le public en profitent au maximum. Et puis, quand la mer commence à remonter, on reprend la même chose en sens inverse, et puis on enlève les barrières au fur et à mesure que la mer reprend ses droits. Durant ce week-end, plus de 25 000 visiteurs ont pu profiter de la diversité des activités proposées et même de monter en selle pour s'offrir une balade au bord de mer. Et nous allons terminer le flash avec quelques images de voile à présent. Une étape supplémentaire vers le Vendée Globe 2024 en quelque sorte. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'était samedi à La Rochelle, donc chez nos voisins de Charente-Maritime, le baptême du nouveau monocoque de Yannick Bestaven, le navigateur maître coq. S'apprête à prendre la barre de ce nouvel IMOCA en novembre. Ce sera au départ de Saint-Malo pour la route du Rhum. En attendant, vous le voyez, c'est un baptême avec un parrain vendéen de marque puisqu'il s'agit de Jean-René Bernaudeau, le manager du team Total Energy. Au départ, on fait ça égoïstement pour nous. On a des projets d'aventure, de sportifs, de résultats, etc. Et puis au final, on se rend compte qu'on le fait aussi pour tous ceux qui nous suivent. Et c'est ce qui nous porte d'ailleurs, parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Et moi, je l'ai vraiment ressenti entre le départ et l'arrivée du Vendée Globe. Au-delà du résultat sportif, le fait de partager, d'embarquer avec nous dans ces aventures tout ce public, tous les collaborateurs Maître Coq, c'est important parce que c'est eux aussi qui nous aident dans les moments difficiles à remonter la pente, à retrouver la motivation, et Dieu sait s'il y en a sur le tour du monde. C'est un moment de partage qui est important, je l'ai vu encore ce matin, quand tu vois les yeux des enfants qui brillent, quand tu fais des photos avec eux ou des dédicaces, tu te dis que là tu as fait quelque chose de bien, quoi. Et je vous en parlais à l'instant, on le voyait également à côté de Yannick Bestaven, Jean-René Bernaudeau. Et bien nous allons l'entendre justement dans le journal des sports, nous parler un petit peu de voile, ce qui n'est pas commun. Voilà pour l'actualité du jour, on va passer aux prévisions météo détaillées de ce lundi matin.
avec une journée qui devrait ressembler un petit peu à celle d'hier. Hein. Des nuages qui sont annoncés pour tout le monde ce matin. Quelques éclaircies, vous le voyez, pour tout le pourtour de la Vendée. Le centre du département, lui, malheureusement, eh bien, devra se contenter de nuages avec un beau nuage tout gris pile sur les studios de TV Vendée, on dirait. Brumes et brouillards qui sont aussi possibles sur ces premières heures de la journée. Soyez prudents hein, si vous devez prendre la route. C'est la fin de ce flash. Alexandre Lenaour nous a rejoint. Oui, 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 pour le journal des sports de ce lundi, c'est donc le moment de faire le tour de l'actu des terrains. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez rester debout. Hein. Alors on va tout de suite parler de ça. Il y a une différence de taille. C'est la vie, c'est comme ça. Vous êtes là pour nous parler de sport et on va commencer avec quoi ? Bah oui, très gros programme. Vous allez revenir un petit peu sur le week-end chargé que vous avez eu. Eh bien c'est ça. Sur les terrains, il y avait beaucoup de choses. Le Tour de Vendée et puis en fin de journal, un petit mot sur l'Open de Vendée de tennis qui commence aujourd'hui. La Coupe d'Europe de rink hockey. Un beau programme encore ce matin. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer donc avec du cyclisme et la 5e édition du Tour de Vendée. Et c'est ça. Et 206,9 km. Hier, très précisément, entre Mouilleron-le-Captif, le Poirouge, Château-Guibert ou encore Dompierre-sur-Yon, partie du boulevard d'Angleterre, et bien les coureurs se sont donné rendez-vous pour un finish au sprint boulevard des Lots, toujours à La Roche-sur-Yon, vous les avez vus sur les images. Et les favoris ont répondu présent. Brian Cocard s'est imposé de l'équipe Cofidis devant son compatriote de la Groupama FDJ, Arnaud Desmarres. A noter aussi hein, la 9e place de Julien Simon. On s'y intéresse et bien parce que ce résultat permet aux coureurs du team Total Energy de glaner sa 2e Coupe de France après sa première obtenu en 2014. Et on l'écoute d'ailleurs, le vainqueur du jour cette fois, Brian Cocard, après sa victoire au sprint. L'équipe a fait un super boulot, ils ont bien travaillé. Ensuite, dans le final, je savais qu'il fallait que je sois dans la roue d'Arnaud pour avoir le plus de chances possible. Et sur une arrivée comme ça, quand j'ai vu qu'il temporisait un petit peu, il hésitait avant de lancer à 250 mètres, je me suis dit qu'il fallait y aller et que sur une arrivée comme ça, je pouvais faire un mano à mano avec lui. Et ça l'a fait, donc c'est une très, très bonne journée. J'avais à cœur de montrer que les jambes étaient bonnes, que la forme était aussi très bonne et voilà. Du basket aussi Alexandre, avec la 2e journée de National 1 masculine pour l'équipe des Sables d'Olonne. Et dans une salle Beau Séjour très animée, les Sablais devaient se reprendre après leur défaite inaugurale face à Tarbes. C'est chose faite eh bien, face aux Bretons du CEP Lorient. Les Vendéens qui évoluaient en blanc ont pourtant eh bien, un peu subi l'entame d'un premier quart-temps qui, il faut le dire, était très animé. 52-47 à la pause, hein, les locaux ne lâcheront ensuite plus du tout la tête de la rencontre. Bien aidés par le 5-7 au shoot à 3 points de Christopher Jackson Trapp et les 21 points de leur capitaine Grégory Le Sort. Victoire 90-75. Et le coach des Sablais, Macan Dioumassi, très satisfait forcément de la performance de ses joueurs. Il était au micro d'Alain Charrier. La victoire, le goal average, la première à domicile. Et aussi, c'est jamais facile de sortir d'une défaite à l'extérieur et de jouer devant son public. C'est ce qu'on peut retenir de ce match ce soir. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup de cœur. Alors le cœur vendéen, je pense, il y en a beaucoup qui sont là depuis 2 ans. On a donné énormément de plaisir au public, toute une osmose à Beau Séjour, donc ça fait plaisir. Résultat qui nous intéresse dans ce championnat de National 1, c'est la défaite cette fois de Chalon face aux nordistes de Lune-Plage, 71-74. Débarqué au gazon, on va parler maintenant de football avec les filles de La Roche-ESO qui recevaient les Bretonnes de Saint-Malo. Et oui, 4e journée de D2 féminine pour les Ornésiennes. Et hier après-midi, c'est sur coup de pied arrêté que les Vendéennes ont payé leur manque de réalisme. Un premier but d'abord sur coup franc direct encaissé à la 40e. La Roche va pourtant venir égaliser à la 59e et même obtenir un pénalty, on le voit ici dans le dernier quart d'heure, un pénalty, vous allez le voir, arrêté par la gardienne Malouine. Et puis dans les derniers instants sur corner, cette fois à la 84e, les Bretonnes repassent devant, défaite 2-1. Les Ornésiennes sont 10e sur 13 de leur groupe. Je vous propose d'écouter la réaction du coach des filles de La Roche ESO, recueilli par Alain Charrier. Ce que je retiens de ce match, c'est le manque d'efficacité offensive et défensive de notre côté. On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Nous, devant, on a eu du mal à être dangereuses aussi. On rate un pénalty qui est certainement le tournant du match. Et voilà, match compliqué à digérer. Les 2 prochains matchs, ce sont 2 déplacements, donc un au Mans et un à Strasbourg. Le voyage, c'est pas notre point fort, donc il va falloir forcer un peu notre destin.
On en a parlé un petit peu dans le journal tout à l'heure. On va s'intéresser au rink hockey maintenant, Alexandre, avec ce week-end, donc la Coupe d'Europe, et ça se passait à La Roche-sur-Yon. C'était un week-end de gala à la salle de l'Angèle Mihiel pour le premier tour de l'Euroleague. L'équipe de la Vendéenne affrontait 3 équipes sur 3 jours. Alors, défaite vendredi en ouverture face aux Espagnols de Lleida, 2-4. Et puis samedi, la Vendéenne s'est bien repris contre les Anglais de Kings Lynn, victoire 4-1. Et puis hier après-midi, c'était face aux Italiens de Grosseto, victoire 3-1 contre les Toscans. 2 victoires qui permettent donc aux Rouges et Noirs de poursuivre leur aventure européenne. Le prochain rendez-vous, ce sera dans quelques temps, ce sera à la mi-décembre. Et le coach de la Vendéenne, Marc Salicru, était forcément très heureux de cette qualification. Il était avec Thibaut Grasset en après-match hier après-midi. C'est un beau week-end pour le club, c'est certain. Je pense que tous les jours, on a eu des matchs de très haut niveau. Nous, on est forcément très contents parce que l'issue de dernier match, on est qualifiés. Mais on est surtout content des matchs qu'on a fait et comment on les a joués. Je veux dire, on est allé les chercher, on a mis une intensité très 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 élevée par rapport au troisième jour du week-end. On a eu quand même beaucoup de coups francs directs et pénaux qu'on n'a pas manqué pendant tout le week-end, qui auraient pu nous aider énormément. Et je pense que dans le match, on mérite vraiment cette victoire et puis c'est bien pour nous. La Vendéenne dans le vent, votre transition quand même, alors je vous lis ce que me laisse Alexandre. La Vendéenne dans le vent, donc une transition parfaite pour parler de voile. J'apprécie, j'aime beaucoup. Et le baptême ce week-end, là aussi on en parlait il y a quelques instants, donc du nouveau bateau d'Yannick Vestaven. Vestaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe. Elle était pas trop mal cette transition. Elle était très bien. Et bien c'était samedi tout à fait à La Rochelle, le baptême du Maître Coq 5, c'est le nom du nouveau monocoque de Yannick Vestaven. Le premier départ, ce sera pour la route du Rhum dans un peu plus d'un mois. Rendez-vous, il faut le prendre, dimanche 6 novembre, mais sera à Saint-Malo, en Bretagne donc. Je vous propose d'entendre celui qui a ouvert, ou plutôt cassé, vous l'avez vu sur ces images, la traditionnelle bouteille de champagne sur l'étrave de l'Imoca, Jean-René Bernodeau, parrain du Maître Coq 5 et manager du team Total Energy. Yannick est un grand marin, je l'ai su par cette caste de grands navigateurs qui ont mis Yannick dans ce groupe de grands marins de talent. Et aller chercher les secondes pour nous, chercher la vitesse pour lui. Voilà, on a vraiment la même idée de ce qu'est le sport aujourd'hui. Le sport, c'est de créer de l'émotion. Et aujourd'hui, le sport, c'est aussi la gagne pour fédérer autour de soi avec tout ce qu'il y a derrière. Les employés de la maison, Maître Coq, la fierté d'appartenir à un projet. Il faut raconter des belles histoires et je pense que c'est aussi une belle similitude entre ce que je fais et ce que fait Yannick. Et pour terminer, on va expliquer un petit peu le décor de la matinale. On va partir sur les courts de tennis en faisant un point sur l'Open de Vendée, puisqu'on ne va pas beaucoup vous voir dans les bureaux cette semaine. Alexandre, vous serez avec Aurélien Huer au Vendée Space pour suivre cet Open de tennis. Puis je vois que vous avez ramené vos raquettes du coup ce matin. Oui, bon, si seulement c'était les miennes. En tout cas, les joueurs sont prêts. La 9e édition de l'Open de Vendée, ça commence aujourd'hui. Bon, alors en réalité, certains joueurs sont déjà sur les 2 courts du Vendée Space depuis hier, puisque les qualifications pour le tableau final ont déjà commencé. Au final, ils seront 32 joueurs présents parmi lesquels Richard Gasquet, Hugo Gaston ou Jack Sock. Jack Sock, c'est d'ailleurs l'Américain qui a disputé il y a quelques jours le dernier match de la carrière de Federer, c'était en double. Puis l'occasion aussi pour nous de vous rappeler le dispositif mis en place par TV Vendée avec chaque jour les résumés des matchs à suivre dans la soirée sur les réseaux sociaux. Et puis dès 7h dans votre matinale Caroline. Et puis dès ce soir, 85 chronos, la deuxième partie se déplace en direct du Vendée Space et ce sera le cas pour l'émission de jeudi également. Et donc effectivement, on va rappeler ce dispositif. Donc tous les soirs, vous branchez sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de TV Vendée, on aura votre petit récap, c'est ça, de la journée, si vous n'avez pas la possibilité d'aller vous rendre dans l'enceinte du Vendée Space. Et tous les matins, diffusion en exclusivité, en tout cas ça nous fait très plaisir, pour une première diffusion dans la matinale. Donc ça va commencer demain et jusqu'à lundi prochain. Et bien c'est ça, jusqu'à dimanche, et puis lundi prochain on fera un gros point, et bien surtout de la semaine qui vient de s'écouler. Et notamment sur la finale sur laquelle nous reviendrons largement. Merci Alexandre pour ce nouveau journal des sports. Ça s'est très bien passé une nouvelle fois, vous voyez, tout va bien. Merci Caroline. On va passer au jeu de la matinale. Tiens, vous ne bougez pas. On va lancer le jeu de la matinale. Il fait les gros yeux, il a peur que je lui pose des questions. On va lancer le jingle et on va s'intéresser au jeu de la matinale. Oui, parce qu'en plus, c'est une question qui va s'intéresser à l'Open de Vendée. Vous ne dites rien si vous avez la réponse, parce qu'on n'est que lundi. On ne va pas lâcher la réponse dès le premier jour. Qui est le vainqueur du premier Open de Vendée, à votre avis? Alors, qui a été le vainqueur de ce premier Open de Vendée? Indice du jour. Cette année-là, Stromae est formidable et le prince George pointe le bout de son nez à Cambridge.
Voilà, donc à la clé, notre partenaire cette semaine, c'est Nature Zoo, Mervan. L'un d'entre vous repartira avec une place adulte, une place enfant à utiliser avant la fin de saison qui est prévue le 13 novembre au soir. Donc c'est l'occasion d'aller passer une chouette journée en plein air. Vous avez une idée, Alexandre, de ce vainqueur du premier Open de Vendée? C'était la première lettre, un B? Ah ouais, mais alors, bah, n'allez pas plus loin. Mince, pardon. N'allez pas plus loin, il se peut que ce soit la bonne réponse, gardez-la pour vous. En tout cas, compte tenu de l'indice, moi vous étiez né effectivement, hein, parce que le prince Georges est un petit peu plus jeune que vous. Un tout petit peu plus petit aussi. Un petit peu plus petit, ouais. Eh bien merci Alexandre d'avoir mis nos téléspectateurs encore un peu plus sur la voie de la bonne réponse. Je vous l'ai dit que vous aviez jusqu'à vendredi, je ne sais pas, ne bouge plus allez, Antoine, j'arrive. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Là-dessus, on s'oriente vers la dernière partie de cette matinale. Reste à moi à vous souhaiter une très bonne journée en notre compagnie. On se retrouve demain dès 7h en direct pour entamer une nouvelle journée ensemble avec de l'info 100% Vendée. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain.